Bonjour, je suis Graham de Beauchet de Bourgogne. J'essaie de me cacher, mais là, il y a les deux grands miroirs sur ces armoires dans cette chambre qui se trouve à l'arrière d'une péniche hollandaise Luxmotor, 30 mètres de long, 5 mètres de large. Et là, vous avez un lit qui fait 2 mètres par 1 mètre 50. Alors, les vitrages en tissu, il y a des côtés très, très artistiques à bord ce bateau. Donc, couloir sur le bâbord, qui donne d'abord sur une cuisine, petite cuisine salle à manger. Ici, toilette, avec énorme chauffe-eau gaz instantané, plus que 4000 litres d'eau. Là, un radiateur gaz. Ici, salle de bain, carrément. Encore des finitions intéressantes. Bateau qui a été aménagé depuis 1994 par son propriétaire marinier. Là, le lave-linge n'est pas à sa place, normalement. Il est dans ce petit coin-là. Petite intervention de plomberie en cours. Voilà la cuisine. Comme à la maison, comme un appartement, des grands plans de travail. 1,90 m ici, hauteur sous barreau. Cette fois-ci, le plafond, c'est du bois. D'isolation. Par laine de roche, laine de verre, isolation, laine de verre et multicouche, donc très bien isolé. Là, vous avez l'entrée principale, halle d'entrée, accès à la timonerie. On va jeter un coup d'œil quand même à cette timonerie. Grand macaron. Alors, timonerie assez classique, belle vue pour votre pilote, l'armoire électrique, la bombe VHF de l'époque fonctionne super bien, certificat communautaire jusqu'à 2024 sur ce bateau, donc tout en règle, et encore un côté artistique, vraiment intéressant ce bateau, chaleureux, du bois, des beaux volumes. Ici, dans le salon plus intime, c'est à 2 mètres de hauteur sous barreau. Et encore, on a des tissus au plafond, des courbes. Vraiment intéressant comme conception de bibliothèque. Cet escalier qui descend en tournant. Ici, dressing, alors je ne sais pas si c'est un dressing ou un garage à vélo, mais en tout cas, très grand espace de rangement. Et ce salon, avec son poêle à bois, ça c'est le chauffage principal pour ce bateau, le chauffage gaz. C'est en supplément s'il fait vraiment froid. Un grand écran de télé qui part avec le bateau. Encore du bois. Et là, le foyer, encore assez artistique. Beaucoup de charme. Cette pièce, maintenant bureau, mais chambre à l'époque. Ici, toujours une petite chambre d'amis à l'avant. Et dans cette partie, 2,25 m de hauteur sous barreau. C'est comme une cathédrale, c'est énorme ici. Donc voilà, bateau logement, des bonnes dimensions pour naviguer sur les canaux, sur les fleuves, sur les rivières. Baudouin DK6 moteur, démarrage électrique,
150 chevaux. Si vous voulez plus d'informations, je suis Graham de Boucher de Bourgogne. N'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions.